Et salut tout le monde, ici Endo pour ce nouvel épisode d'un décaféiné sur Ivasan Studio. Et aujourd'hui nous jouons à Smoothie Galaxy. Alors rien à voir avec la gastronomie, j'aurais peut-être préféré, mais rien à voir, non, on va partir dans les étoiles, vers des exoplanètes, messieurs dames. Alors Smoothie Galaxy, c'est parti. Donc voilà, nous venons de nous scratcher magistralement sur une planète inconnue. Et le but sera de récupérer 4 pièces de vaisseau égarées, voire repartir. Le gameplay est assez simple, on se dirige avec les flèches directionnelles, donc haut, bas, gauche, droite. On tire et on réalise toutes les autres actions avec X, donc par exemple pour ouvrir les coffres, pareil, c'est X. Et on saute, comme ceci, avec C. Hop. Alors on a récupéré un coquillage fantastique. Le jeu a été développé par Pixel Boy et Cocorico, puisque c'est un français. Je vous mets dans la description de la vidéo sa page Tumblr. Il a fait plein d'autres petits jeux. Barrez-vous, conne de pieuvre. Et j'en profite aussi pour vous dire que le jeu est gratuit. Hop, jetpack, now you can fly, yuppie! Nous pouvons voler dans une durée déterminée quand même. Oula! Le jeu est vraiment, vraiment très très court. Il prend pas plus de 15 minutes. Hein. Ah zut! Vous voyez, le jetpack n'est pas indéfini. Alors lui, on parle à ce petit monsieur. Il nous donne Get Weapon Upgrade, piou piou piou, x2. Mince. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus qu'une vie. Donc maintenant on tire des gros missiles. Touk touk touk. Et il y a des petits coins secrets, bon il y en a un seul en fait, hop, qui nous va nous permettre, mince je suis rentré dedans, qui va nous permettre de récupérer une vie. Hop, one more life, one more chance, certes. Donc on peut remarquer quand même que le jeu est vachement inspiré des Zelda 2D de l'époque. Et on arrive au premier boss. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. One more life, one more chance. Encore. Deux coffres avec. Hop. On a récupéré un drone. Alors le drone, ça va nous permettre deux choses. Premièrement, on va pouvoir rentrer dans la grotte. Où il fait tout noir. Et il va pouvoir nous éclairer ce drone.
Et en plus, comme vous voyez, il tire des petites boulettes. Il nous aide un peu à attaquer. Il y a un truc là. Hop. Donc on a déjà trois parties de l'appareil, il en manque plus qu'une. Il faudra battre le dernier boss. C'est un peu plus compliqué. Comme vous voyez, le jeu est vraiment très très rapide. On arrive déjà à la fin. Mourez, créature de l'enfer! Ah! Ah, le truc débile, j'ai perdu trop de points de vie. Bêtement. Je crois que là... Ah, c'est pas que je pensais. Il y a une bébête. Ah, zut. Bon, allez. On y croit. On y va comme ça. Presque fini. Hop, la dernière pièce du vaisseau à réparer. Et on va pouvoir se casser de cette planète. Qui franchement n'a vraiment, vraiment rien d'accueillant. Hop là! Ah, rentre! Rentre! Ah! Ready to escape. Escape from the planet. Yes! On se casse! Et voilà, donc comme je disais, petit jeu vraiment, vraiment très court. Voilà, j'ai pris 8 minutes pour le faire. Donc n'hésitez pas à le télécharger, hein, il est gratuit. Je vous mets le lien du téléchargement dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois, notamment lundi pour Pokémon Argent, où je m'attaque à la tour radio envahie par des moquettes. Ça va pas être du gâteau. Mardi, c'est Aurès sur Pokémon Or. Et vendredi, c'est Game sur Pokémon Crystal. À la prochaine sur Ivasan Studio, tout le monde. Ciao.